Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si, regardez. Il y avait longtemps que je ne l'avais pas fait, hein, le requin. Bah si, hein. Bah si, c'est les dents de la mer, vous l'avez reconnu. Bah si, hein. Voilà. J'ai reçu ma petite commande que j'ai fait sur Journal Say. Voilà, j'avais eu à nouveau un partenariat avec la société. Donc bah, j'en ai profité et je me suis fait une petite commande en plus. Bah si, parce que j'avais envie. J'ai pris 15€ en plus. Bah oui, je me suis dit, comme c'est des jolis produits, j'ai toujours envie de commander chez eux. Bah j'en ai profité par le biais du partenariat. Comme ça, j'ai rajouté des produits. Bon, bien sûr, hein, le surplus est de ma poche. Mais ça ne me dérange pas, étant donné que c'est des très très bons produits. Bah moi, ça m'a permis de me faire plaisir en même temps. Alors, je vous montre la petite cacarte. Bah si, la petite cacarte. Bon, je ne vais pas vous montrer derrière parce que j'ai un code promo. Ça, c'est pour moi. Bon, bien sûr, hein, je l'ai arraché. Ne m'en veuillez pas, j'étais tellement pressée que j'ai regardé déjà derrière. Alors, ils ont mis du beau washi. Super bien emballé, hein. Franchement, trop trop bien. Alors, dans une enveloppe à bulles, hein, voilà, avec plein de bulles autour, hein, comme d'habitude. Ça ne change pas. Alors, ça, c'est un petit washi avec des tops. Voilà, donc ça, je vais le garder. Bah si, je vais le garder, je fais ce que je veux, hein. Bah si, hein. Voilà, hop. Il y en a à là. Et il y en a à là. Voilà. Super joli. Alors, vous êtes prêts, hein? Si, bah si, vous êtes prêts. Voilà. J'ai commandé des washi, j'ai commandé des stickers, des tampons, des... Oh, il y a des belles choses. Oh, bah si, j'ai pas pu faire autrement. Des étiquettes, j'ai pas pu faire autrement. J'ai pas su me retenir, hein? Qu'est-ce que vous voulez? Bah si, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, je vous montre en premier. Oh, il y a des belles choses, hein? Il y a des belles choses. Ah bah si. Bah si, je te dis qu'il y a des belles choses. Alors, comme d'habitude, je vous mets comme d'habitude. Bah si, comme d'habitude, je vous mets tous les liens en barre d'infos. N'oubliez pas, cette fois-ci, ça marche. Vous pouvez mettre le code promo que je vous mets là. Et vous pouvez le retrouver en dessous de la vidéo. Si vous êtes intéressé, bah, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Parce que franchement, les prix sont vraiment abordables. En plus, vous avez le frais d'envoi qui vous est offert pour je ne sais plus combien. Je pense que c'est 25€. Je ne sais pas. À voir. Alors, j'ai pris des très jolis tampons. Voilà. Je me suis fait un petit plaisir. Et franchement, je vous dis, hein, je me suis arrêtée. Hein, parce que je remplissais mon panier, J'ai envie de tout acheter. Si j'ai envie de tout acheter, c'est comme ça. Ne cherchez pas à comprendre. Alors, c'est du silicone blanc. Ce sont des chiffres. Ils sont assez grands quand même. Hein. Ils sont assez grands. Je suis très, très contente. On fera un petit test de tamponnage pour une prochaine vidéo. Parce que là, je pense que la vidéo va vraiment être longue. Alors, vous avez des numéros de 0 à 9. Et, alors, j'allais dire, c'est écrit en français. Ben non, 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7 et 9. C'est joli. 0. Ah, mais qu'il y a des petits papillons. Bah oui, il y a des petits papillons. Je n'avais pas vu. Oh, c'est joli. Ils sont beaux, hein. Franchement, ils sont vraiment super beaux. En plus, regardez-moi ça. Le coffret, il est vraiment magnifique. Donc, vous avez 10 pièces. Très, très joli. Ah, j'ai tiqué, hein. Je me suis retenue, hein. Si, je me suis retenue. Je me suis dit, je vais pas tout prendre parce que bon, je peux pas tout prendre, c'est pas possible. Ah, j'ai pris des petits tampons comme ça. C'est très, très joli. Alors, vous n'êtes pas surpris, hein. J'ai pris des champignons. Bah, si, j'ai pris des champignons. Je vais les aquarelliser. Certainement. Voilà. Très, très beau. Alors, j'en ai pris un comme ça, hein. J'en ai pris un comme ça. Magnifique. J'aime bien les petits champignons.
J'ai l'impression que c'est le même, sauf que c'est retourné. Ouais, c'est le même. En tout petit. De taille différente. Et j'ai pris une petite échelle. Parce que je me suis dit, si Christelle, elle veut monter chez elle, bah si, il faut une échelle. Hein. Ah si. Voilà. Vous pouvez le mettre là. Ouais, là. Vous pouvez le mettre comme ça. Ah si, il faut, si je veux monter chez moi, il faut bien que j'ai une échelle. Bah si. Donc j'ai pris des petits tampons. Je vous montre quoi? Moi, je vous montre les étiquettes. Hein. Bah si, hein. Bah si, je vous montre les étiquettes. Allez, c'est parti pour les étiquettes. Oh là là, oh là là là. Oh, c'est joli. Alors, je pense pas, je ne sais plus. Je ne sais plus si c'est des stickers. Je ne sais pas, il me semblait que c'était des... Ah bah non. Ah ah, faisait la reine. C'est des stickers. Donc, j'ai pris ça parce que j'ai trouvé ça vraiment... très 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 romantique. Ah, elle est belle la petite pochette là. Ah, c'est joli, ça a taille. On peut s'en resservir. Hein. Bah si, pour mettre dans un junk. Alors, il y a toujours deux petites étiquettes qui sont pareilles. L'autre, elle est là. Voilà, très très jolie. C'est vraiment très beau. Vous voyez, pour mettre sur des petites créas. Moi qui aime bien mettre tout ce qui est petite étiquette. En plus, avec des fleurs, vous l'avez directement dessus. C'est magnifique. Très très beau. Allez. Avec une petite cage à oiseaux. Magnifique. Très beau. Avec une pivoine. Très très jolie. Donc ça c'est pour le premier. Donc vous allez voir, il y a vraiment des très très belles choses. Je me suis vraiment vraiment laissé tenter. Et c'est vrai que quand on aime comme ça les belles choses, on a envie de prendre pas mal de choses. Alors, bon, j'ai essayé de prendre un tout petit peu plus de choix pour pas prendre, on va dire, toute la série. Parce que bon, faut quand même un petit peu varier. Là, j'ai pris le deuxième. Voilà, toujours dans cet esprit romantique. Alors, ce sont les mêmes, sauf que là, c'est sur un autre thème. C'est pas le même, hein, par contre. Hein. Vous voyez? Donc ça, on peut les récupérer. Si l'on souhaite. Alors, c'est quoi? Je me rappelle plus. Ah oui, c'est avec un cheval. Bon, c'est en double. Voilà. Ah, il y en a un qui est... Bon, c'est pas très grave, étant donné qu'après, on peut le coller... Le petit cheval, c'est très très beau. J'aime beaucoup les chevaux. Il y en a deux. Il y a des petites fleurs. Des fleurs. C'est très très beau. Crabe, fleurs, très joli. Bon, il y a un peu de tout. Je me rappelais plus. Je croyais que c'était sur le thème cheval, mais non. Après, il faut se souvenir. Hein. Par contre, ça a été super rapide pour le recevoir. Ça a été en une semaine. Bon, c'est vrai que de ce côté-là, Journal Say, j'ai vraiment rien à dire, comme les autres partenariats que j'ai. C'est vrai que c'est en colissimo et vous êtes livré assez rapidement. Alors par contre là, si je me rappelle bien, j'en ai pris deux également. Voilà, avec des petites fifilles super vintage, comme j'aime bien. Vous voyez, pour faire plein de belles choses au niveau des timbres. Oh là, ça glisse ça. Ouais, ça glisse ça.
c'est super joli. Hop, ça virevolte. Oh, c'est beau. Elles sont belles, les petites filles. Regardez-moi ça. Oh là là, c'est beau. Bon, de toute manière, c'est bien. Je reprendrai certainement des articles chez eux. Parce que quand on voit les prix, franchement, je vais vous dire, même sur l'autre plateforme que vous connaissez tous, vous avez même plus ces prix-là, en fait. C'est super pas cher. On va dire ça comme ça. Et en plus, vous les recevez rapidement. C'est vrai que Journal Sey, il y a plein de choses qui sont vraiment abordables. Si vous avez vraiment un petit budget, vous pouvez faire vraiment des très très belles choses. Moi, j'en suis contente en tout cas. Bon, j'ai coupé parce que je range. Je peux pas laisser comme ça tout étalé sur la table, c'est pas possible. Il va en avoir partout. Et j'ai pris en jaune. Regardez-moi ça, comment c'est joli. Avec ces petites fleurs. Ah bah j'en ai trois. Ah bah voilà, j'en ai gagné une. Oh, c'est mignon comme tout. Ça me fait penser aux paper dolls qu'on avait quand on était petite. Et il y en a tout plein. Hein. Bon, j'ai pas pu tout prendre parce que bon, je vous l'ai dit. Voilà, je peux pas non plus prendre tout, puis après il faut créer, c'est pas la peine. J'ai déjà pris ça, puis la prochaine fois je prendrai peut-être les autres. Oh, c'est trop mignon, regardez-moi ça. Et en plus, il y en a beaucoup, hein. Regardez. Ça fait un petit peu saraqué et un petit peu... vous savez, les personnages qu'on avait quand on était petit. Ah, je sais plus, c'était sur peut-être des calendriers ou ah, c'était certainement dans les... Ah, comment dire les... vous savez, les bouquins... Je vais y arriver, hein. Il faut que je le sorte. Les livres de lecture pour apprendre à lire. Vous savez, dans les écoles... Je pense que ça me fait penser un petit peu à Valérie, comment c'était déjà, je ne sais plus. Pierre et Valérie, ouais, je pense que c'est ça. En tout cas, ça me fait penser à quelque chose. Je ne saurais plus vous dire exactement quoi, mais ça me fait penser à quelque chose. Je vais voir si je peux vous donner la quantité. Alors attendez, je prends ma loupe hein, parce que je vois très très mal. Donc 30. Donc il y a 15 modèles, donc multiplié par 2, ça vous fait 30. Là c'est pareil. Regardez, il y en a une là, je peux récupérer, et une là. Voilà, alors, donc, oh et puis il y a des belles choses. Hein. Oh. Je sais même pas par quoi commencer tellement que... Il y a des belles choses. Hein. Franchement, il y a vraiment des très très belles choses. Je vous dis, moi, quand je vais sur cette boutique, j'ai envie de tout acheter. Un truc de fou, hein. C'est joli. Oh là là. Oh là là là. Alors, je vous le mets là pour que je puisse vous le montrer. Parce que si je le mets plus la feuille, ça ne va pas le faire. J'ai pris sur le thème vintage. Comme d'hab. Hein. Avec des femmes. Un petit peu sur la mode. Très très joli, j'espère que vous voyez quand même que pour moi c'est pas évident. J'essaierai de voir si je peux vous le zoomer lors du montage. Si vous voyez pas zoomer, c'est que j'ai pas réussi. Ben non, j'ai pas réussi, je suis pas une pro hein, donc j'ai un logiciel de montage super compliqué.
j'apprends un petit peu à la fois. Bon, joli. Allez, je vous fais un petit zoom comme ça. Pour vous montrer un petit peu le style. Très, très beau. Oh, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Oui, il y a des couleurs différentes. Il y en a beaucoup, hein. Je crois qu'il y a 20 feuilles. Je devrais mettre un petit papier blanc en dessous. Ça serait mieux. Donc, il y a 20 feuilles. C'est ça. Et c'est tous différents. Hein. Là, il y a un petit peu le style. Je vais vous remettre la feuille pour que vous puissiez voir un petit peu. C'est vraiment tout ce que j'aime. Alors, là, on va regarder également ça. Alors, vous voyez, j'ai pris un tout petit peu plus de choses différentes. Cette fois-ci, j'ai pas trop pris trop la collection, bien que je vous ai dit, hein, j'aurais bien voulu. Mais c'était pas possible. C'était pas possible. Il y avait vraiment trop de choix. Je suis perdue sur cette boutique. Là, j'ai pris des petites étiquettes. Vous voyez, avec des taches. Voilà. Donc, il y a des étiquettes rondes. Il y a des étiquettes comme ça. Bon, je vous montre pas tout parce que ça va être trop long au niveau de la vidéo. Je pense que ça va vous épuiser. Donc, il y a des petites étiquettes. Là, il y a des petits napperons. Ah, ils sont très, très jolis. Voilà. Ah, il y a une petite odeur quand même. Petite odeur de café. Vraiment subtile. Là, il y a vraiment des petites étiquettes. Allez, on peut tamponner des numéros si on veut. On peut les compléter. Et vous avez... Oh! Vous avez du papier. Oh, c'est joli. Très, très beau. Magnifique. Donc, c'est un petit ensemble avec plein de petites choses vraiment super sympa qu'on va pouvoir faire des petites créations avec. J'ai vraiment hâte. Et vous avez une petite corde en toile de jute. Voilà, si vous voulez faire... Un petit album, on vous donne une corde en jute. Faites comme vous voulez. Voilà. Oh, y a des... Oh là là. Oh, j'ai pris des trucs sur l'automne. Oh. Il y en a encore. Hein. Si, ne partez pas. Regardez, il y en a encore. Hein. Il y a encore plein de trucs. Bah si, je vous dis que si. Alors là, il y a est-ce que j'ai l'information? Donc il y en a deux. Alors je vous mets là. Regardez, c'est des paysages. Oh, magnifique. Je me suis laissé tenter pour l'automne. L'automne, la forêt. Très joli. Je vais certainement en mettre sur mon petit album. On a été promené à la forêt pour que je fasse mes photos. J'en ai pris d'autres. Donc là, il y a 30 et vous avez deux identiques, ce qui vous fait 15. Oh là là, regardez-moi ça. Oh, magnifique. Ça va être certainement pour mon album. Ou pour faire des tables, on peut aussi, hein. Oh là 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 là, c'est joli. Bon, il n'y a pas la tente, mais c'est pas grave. Promenade en forêt,
C'est joli comme tout. Oh, je kiffe. Comme Maggie a dit. Je kiffe, je kiffe. C'est magnifique. Oh, je ne sais pas si vous allez voir, parce qu'il fait quand même assez sombre. Je ne sais pas si vous allez voir les teintes automnales. Oh là 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 là, c'est joli, c'est joli. Attendez, je mets ça derrière. C'est magnifique. Oh là 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 là. Oh, il y en a deux dedans. Oh, c'est joli. Regardez-moi ça. Trop beau. Donc là, vous avez, je vous l'ai dit, 15 stickers multipliés par deux parce que vous en avez deux de chaque. Donc ici, par exemple, oui, c'est ça. Oui. Voilà, 30. Si par exemple, vous voulez en prendre pour faire un album et vous voulez faire des timbres, bah, vous pouvez. C'est ça qui est génial. Alors, j'ai pris ça. Il y a des taches. Il y a des taches. Il y a des taches. Donc ça, je pense que c'est des rubones. Je ne saurais plus vous dire. Ouais, c'est ça. C'est des rubones. Alors, ça, je vous conseille de découper vraiment ce qui vous intéresse pour pouvoir l'appliquer. Parce que des fois... on fait avec le petit bâtonnet. Bon, moi j'en ai, hein. Vous pouvez prendre aussi, c'est des bâtonnets, vous savez, les trucs pour enfants qui vendent à Action. Voilà. Vous pouvez prendre aussi un cure-dent, ça marche. Donc vous découpez, parce que des fois on transfère et il y a le truc à côté qui se barre avec. Donc, oh là là, c'est joli. Vous voyez, j'ai pris un petit peu, j'ai prévu, hein, comme je savais que j'allais aller promener dans la forêt. Je me suis dit, j'ai prévu pour prendre des petits trucs comme ça. Bon, sachant très bien que je vais certainement encore aller faire des promenades en forêt pour le mois de septembre. Donc, comme ça, je pourrais prévoir pour faire un petit album. J'ai pris également donc des étiquettes comme ça. Magnifique. Très, très beau. Il y en a, hein. Il y en a beaucoup. Alors là, il y en a. Faut que je prenne la loupe. C'est trop petit. Arrêtez de nous écrire aussi petit. Donc il y en a 5 de chaque. Donc vous avez 20 pièces. Alors ça, c'est pareil. Comme ça. Donc là, vous en avez 5. Comme ça. J'aime bien leur papier parce que ça fait un petit peu. Vous savez, c'est pas lisse en fait, c'est... je sais pas comment dire. On dirait que c'est vieux en fait. Planeur, vous voyez, vous pouvez mettre aussi dans les planeurs. Je mets là. Voilà, donc là, il y en a 20. Donc vous avez de quoi quand même faire, hein, parce que vous avez quand même 5 feuillets identiques. En plus, c'est très très fin. Je pense que ça doit être un petit peu transparent. J'en avais déjà demandé, il me semble, des trucs comme ça. Et il y en a 5. Ah bah non, il y en a 4. Ah non! Ah non, 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 pardon. Il y en a 4 et vous avez 5 modèles différents. Je dis des bêtises. Bah alors, Costel, tu sais plus compter? Bah oui, hein, tu sais plus compter. Il y en a 5 différents, en fait. Donc 5 x 4, ça fait 20. Hein, ça fait pas 25. Si tu me dis qu'il y en a 20, donc 5 x 5, ça fait 25. Hein. Non, il y en a 20. Donc vous en avez 3 de chaque. 3. Je vous montre. Ça commence. Je me mêle les pinceaux. Je me mêle les pinceaux. Vous en avez donc 4. Oh, je vais y arriver. Vous en avez 20 et à chaque fois, vous en avez 5 modèles de 4. Je vais y arriver. Hein. Alors, j'ai pris celui-là.
Vous allez voir, il y a des belles choses. Bah si, il y a des belles choses, hein. Voilà. Comme je ne voyage pas, bah, j'ai envie de partir sur une île. Bah si. Oh, petit choupinou. Ah, ça, ça pourrait être pas mal pour mon album Disney. Très, très. Oh, lolo. Et en plus, je ne sais pas si vous allez voir. Ils sont... Il y a une couche de vernis dessus. Vous voyez ? Oh, ils sont beaux. Voilà, toujours la nature. Hein. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est... Oh là là. Bon, ça, ça va être pas mal pour mon album de... Voilà, quand je vois la mer. Flamant rose. Oh, il y a une marmotte. Oh, ils sont jolis. Oh là là, ils sont beaux. Donc, vous avez 10 pièces. J'aurais voulu en avoir plus. Il y en a plein, hein. Il y en a plein. Il n'y a pas que ces deux modèles. Je vais vous montrer le deuxième que j'ai pris. Il n'y a pas que cela. Il y en a encore d'autres. Vous avez toujours le petit récapitulatif au dos. Je regarde parce que je pense que je ne vais pas pouvoir vous filmer tout d'un coup. Il faudra que je vous le fasse en deux parties. Donc ça, c'est le vert. Regardez-moi ça, le petit village. Oh là là, oh là 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 là, oh là là. Oh, je ferais bien ma petite maison là, sur le côté là. Ah oui, bah ah oui, alors là, c'est encore mieux. C'est des biches. Ah ouais, c'est des biches. Il y a un fan. Il y a un fan et un cerf. Vous voyez là, je ferais bien ma petite maison là. C'est si. Ça serait sympa. Oh, il y a des champignons. Oh, c'est beau. Magnifique. Je vais pouvoir vraiment faire des belles créations. Ça va me... Je vais m'éclater. Si, je vais m'éclater. Je vais partir en plusieurs morceaux. Ça va faire boum. Vous allez l'entendre de chez vous. Hein. Bah si, je vous le dis. Hein. Ah, vous voyez, j'ai essayé de ne pas trop prendre toujours le même. Après, j'ai pris cela. J'ai pris des petits personnages. Vous avez toujours 30 pièces. Ah, donc là, il y en a un de chaque. Il n'y a pas des doubles. Bon, moi, les doubles, c'est bien aussi parce que des fois, ça me permet aussi d'en donner aux copines et j'en donne également à ma sœur. Donc, comme ça, au moins... Oh, ça fait... Oh, ça fait joli. Regardez. Ça fait comme des petites taches. Alors, regardez-moi votre nez. Pistache. T'as une grosse tache. Pistache. Transparent. Ah, je croyais que c'était tous des personnages, moi. Mais là. Il y en a là. Oh, c'est joli. Ah, bah, ça, c'est pas mal, ça, vous savez, pour mettre sur des fonds de timbre ou des trucs comme ça. Wow. Trop joli, hein, les mademoiselles. Hein. Ah, ouais. On va pouvoir faire plein de belles choses. Regardez, en marron, en blanc. C'est rare en blanc. Là, c'est en gris. Ouais, c'est pas mal, il y a plusieurs couleurs. Oh, moi, je me rappelle plus ce que j'ai pris. Hein. Vous savez, là, il y a en gris, gris et blanc. Ah, ça fait des petites taches. Hein, c'est sympa. Ah, je me rappelle plus. Hein. Vous savez, moi, j'ai dormi depuis. Hein. Beaucoup. Hein. Oh. Lire le... Je ne sais plus. Avec un chat. Un chat. Ça plante. C'est joli. Oh, c'est beau. Pour faire des timbres. Regardez. Regardez-moi ça, les couleurs sont magnifiques. Oh. Oh, c'est joli. Ah, c'est super. C'est vraiment, je trouve, original. En plus, on a un petit sticker. Ça. Ils sont pas... Non, ils sont plats. Parce que des fois, il y a des petits reliefs. Non, non, celles-là, elles sont plates au niveau design. J'ai pris celle-là. Vous voyez, donc, il y a celle-là.
Et celle-là, hein. Je vous les montre parce que... Ah, c'est rigolo, hein. Vous voyez, là, il y a un relief. On voit, c'est du... Il y a une petite couche, vous voyez. Alors... Il y en a beaucoup, hein. Ah ouais, ça va être un gros haul, hein. Je suis désolée. Oh. Oh, il y en a des belles. Elles sont toutes belles. Désolée. Et là, j'ai pris vraiment sur des teintes un tout petit peu plus végétales. Oh, c'est joli. C'est joli. Bon, il y a des petits mots. Voilà, toujours pareil, des petits mots. Il y a des mots doux. Doux. Donc là, vous avez des mots également. Je vous montre plutôt les personnages, hein, parce que... C'est joli, les petits mots. Regardez-moi ça, les couleurs. Oh, ils sont magnifiques. Magnifiques. Oh, il y a un petit chat. Tâche, pistache. Elle a qu'un petit chien. Oh, c'est joli. Je sais pas ce que j'ai au niveau de mon téléphone, mais je vous vois presque pas ce que je présente. J'ai presque pas un retour dans le... Dans l'écran, là. Au niveau du téléphone. Oh, j'en ai marre de ce téléphone. Il m'énerve. Il m'énerve. Il faut peut-être que je lui fais peut-être un massage. Tu veux un massage? T'es en fin de vie? Ouais, je crois qu'il va bientôt me lâcher. Hein. Ah, c'est pénible. C'est pénible. Je vous dis que c'est pénible. Hein. Si. Bah si, je te dis que c'est pénible. Voilà, donc là, on va... on a fini les stickers. On va regarder donc les washi. Qui sont là. Allez, on attaque, on attaque. On attaque. On attaque les rouleaux de washi. Alors, celle-là. On va prendre un petit ciseau, hein, parce que pas quoi demain, on y est encore. Et j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. Non, attendez. Il faut quand même que je vais dormir quand même. Hein. Oh, oh, c'est joli. J'espère que vous voyez bien. Alors, est-ce que... Non, il n'y a pas de couche de vernis dessus. Enfin, de relief. Voilà. Donc là, vous avez tout ça. Après, ça recommence. Ah bah si, ça recommence. Ah, il est épais. Très, très épais. Alors, ce sont des washi qui ne sont pas coupés. Par contre, il faudra que vous les coupez vous-même. Alors, donc je vous remontre celui que j'ai pris, si ça vous intéresse, comme ça au moins vous avez un visuel. Voilà. Oh bah là, ça va, ça part tout seul. Oh. Oh. Alors, 100 pièces. Ah oui, 100 pièces. Je vous montre un petit peu... vous avez. Je sais pas si c'est tous identiques ou si ce sont des différents. Bon, moi je vous en montre quelques-uns. Je pourrais pas vous dérouler le rouleau. Ouais, c'est joli. Ouais, je pense que c'est tous des différents. Oh, il y a des monuments. Ah, c'est joli. Ouais, bon, bah c'est tous des différents. Bon, je suis désolée, je pourrais pas tout vous dérouler parce que ça va pas être gérable. C'est pas possible. Donc, c'est tout des petites... vous voyez, c'est tout des petites étiquettes comme ça. Bon, si un jour je fais le tour du monde, vu qu'apparemment, il y a des monuments d'Italie. Il y a la tour de Pise. Bon, c'est jamais, hein. Voilà. Jamais, hein, si un jour je gagne au loto. Bon, je joue pas au loto, hein, mais bon.
Si un jour j'y gagne, bon, ça va être dur, hein, Castel. Hein. Voilà, donc c'est celui-ci. Alors, je vous montre d'abord les filles. Hein. Bah oui, les filles. Alors, il y en a un autre comme ça. J'espère que vous voyez quand même bien. Voilà. Hop. Voilà. Bon, je suis désolée. Des fois, il y a la bordure qui reste. C'est pas évident de savoir. Qu'il faut le décoller. Ah, et j'ai pris des fils sur le thème automnal. Ouais, je suis à fond là. Alors, il y avait la petite rouquine là. Voilà, c'est de là à là. Belle rousse. Voilà. C'est beau les couleurs roux pour les cheveux. J'ai toujours bien aimé moi. Alors. Donc pas celui-là, je vous montre donc les filles et les filles et les filles. Regardez, hop. Donc là j'en ai pris 3. Bon, c'est bientôt terminé, je vous rassure. On va l'ouvrir. Bon, vous n'avez pas beaucoup de personnages, mais vous en avez plusieurs. Je ne sais plus, je crois que c'est des rouleaux de 2 mètres, il me semble. Je ne saurais plus vous dire. Bon, de toute manière, comme je vous l'ai dit, je vous mets les liens à vous d'aller voir sur le site si ça vous intéresse ou pas. Et vous allez avoir quand même... Oh, c'est joli. Donc, c'est de là, vous avez tout ça. C'est quand même pas mal. Hein. Voilà, on reprend le début. En plus, il est... Il est bien. Ouais, je vais pouvoir. Après, si vous voulez les couper et les mettre dans une boîte, pourquoi pas. Hein, si vous voulez pas que ça prenne de la place. Hop. Voilà. Donc ça, c'est pour les 3 que j'ai pris. Alors, ensuite, j'ai pris des washi. Allez, viens, non, mais très belle, elle est. Qu'est-ce qu'elle a avec ses étiquettes? Qu'est-ce qu'elle a avec ses étiquettes? Oh, elles sont grandes. Ouais, elles sont très très grandes. Oh, c'est joli. Oh, elles sont belles. Oh. J'aime bien les étiquettes. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça hein? Bah si, j'ai droit. Hein. Bah si, j'ai droit. Ouais, il y en a beaucoup. Ouais, c'est pas... Ah non, c'est toujours des différentes. Oh, c'est chouette. Bon, je vous dépale pas tout hein, parce que le rouleau il est quand même assez assez gros. Donc si ça vous intéresse, comme je vous ai dit, je vous mets les liens en barre d'infos. À vous de cliquer sur le produit, d'aller voir les caractéristiques, c'est-à-dire combien de mètres les rouleaux font, parce que je peux pas vous le dire. Bon, là il n'y a pas de butoir, c'est pas grave. Et voilà, comme ça, vous avez tout. Je vous mets les liens. Comme ça, c'est plus rapide pour vous. Voilà. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous mets également le code promo. Donc, moins 10% sur votre commande. Ça colle au doigt. Bon, ça colle au doigt. Tant pis. Et vous avez donc une remise de moins 8%. C'est quand même pas négligeable. Si vous voulez faire une petite commande,
Bah allez-y, faites-vous plaisir, c'est fait pour. C'est déjà pas cher. Là, j'ai pris avec des pellicules. Vous allez voir, on va faire quelque chose de beau. J'ai déjà ma petite idée. Voilà. Des petites pellicules. De toute manière, c'est bien, je vous ferai plein de tutos hein, avec les produits que vous allez voir là. J'ai pas mal d'idées. Je vais faire pas mal, enfin pas mal, je vais faire quand même quelques timbres. Que... Ah non, c'est pas ça. Parce que des timbres comme ça avec des filles sur le thème automnal ou vintage, moi j'aime bien. Ça remplit en même temps ma petite collection. Donc on va reprendre un petit peu les timbres. Bah si, hein. Si, si, ça fait déjà un bout de temps que j'en ai pas vraiment fait. On va reprendre les tutos avec les timbres et puis vous ferez aussi des tutos voilà, avec des pochettes, des choses comme ça. Là, ce sont également, bon, j'y arrive pas à trouver le début, c'est également toujours avec des petites pellicules, mais vous voyez, le format, il est plus petit. Il y a quand même pas mal, je pense qu'il doit avoir 2 mètres. Hein. Il y a quand même pas mal de 2 mètres. Avec 2 mètres, déjà, vous pouvez mettre... c'est une histoire de mètres. Bah si, hein, bah si, je le sais. Donc là, j'ai... Non, j'ai pas fini. J'en ai pris plusieurs. Voilà. On arrive bientôt à la fin. Bon, je sais que le haul est assez long, mais franchement, ça en vaut vraiment la peine parce qu'il y a vraiment des choses qui sont magnifiques. Hein. Et en plus, moi, j'aime bien le journal. Ça y est, c'est vraiment... c'est pas cher. C'est livré rapidement. Vous avez une remise de moins 8%. Vous avez déjà des produits qui sont pas chers, mais là, c'est encore moins cher. Je pense que ça, c'est... ouais, c'est collant. Regardez-moi ça, pour faire des petites choses. Sur le thème Timols, Julie, je te fais des gros bisous, Julie. Je te fais un petit coucou. Je sais que tu regardes mes hauls. Ça, vous voyez, c'est pas mal pour faire des petites choses Timols et tout. C'est pas mal. Alors, on va encore finir donc les 3 derniers et après, bah, je vous libère. Bah, si, je vous libère. Hein, faut quand même que je vous rende votre liberté. Hein, je peux pas vous accaparer comme ça de votre temps. C'est pas possible. Bah non, hein, bah non. Attendez, on a chacun sa vie. Hein, bah si. Hein. Vous imaginez, vous seriez contraint et forcé de regarder Christelle. Ah, je crois que vous en aurez marre. Hein. Ah si, si, si. Bah si, il faut le dire. Il faut se le reconnaître. Ben si, je suis chiante. On a chacun ses défauts, ses qualités. Hein. Celui qui dit « Ah non, mais moi, je suis pas... Moi, je suis parfait. » Non, tu n'es pas parfait. Il n'y a qu'un être. Enfin, il n'y a qu'un être. Il n'y a que quelqu'un qui est parfait sur Terre. Et encore, ce n'est pas sur Terre. C'est Dieu. Si, si, je te le dis. Il n'y a personne qui est parfait. Tout le monde a ses qualités et ses défauts. Bien heureusement, d'ailleurs. Parce que on serait parfait, ben, on serait l'égal de Dieu. Or, nous ne le sommes pas. Bah ben non, il faut se le dire. Hein. Nous sommes peu de choses. Bon, il m'en manque un. J'ai dû le décoller avec je ne sais pas quoi. Je m'en trouvais avec un timbre quelque part. C'est pas très grave. Alors là, c'est avec des villes. J'en ai pas. Je me suis dit, bah tiens. Ça peut être pas mal. Voilà. Ah bah il est là. Donc. Voilà. Vous voyez, j'ai... Franchement, pour la commande que j'ai faite, j'en ai pas mal hein, quand même. Hein. Pas mal, pas mal du tout. Hein. Pas mal. Allez, on va faire cela. Ah, il m'embête, lui. Il veut pas s'ouvrir. Tu veux pas t'ouvrir, hein? Ah, si, je te le vois. Voilà. Hop.
c'est super bien emballé. Emballé, c'est pelé. Bah si, emballé, pelé. Bah si, je te dis que si. Alors là, c'est vraiment sur le thème vraiment shabby chic. Ça m'a bien plu. Je voulais en prendre plus, mais je me suis dit non, tu peux pas. Non, tu peux. Non, tu peux pas. Tu peux pas prendre tout, Christelle. C'est pas possible. Non, je te dis que non. Alors, je vous montre. Vous voyez, c'est tout des. Regardez. Oh, c'est joli. Si je cadre pas, ça va pas le faire. Avec des fleurs. Des fleurs. Il y a des petits cadres, enfin, des petites étiquettes, des petits cadres. C'est trop, trop beau. J'aime beaucoup. Voilà, donc il y a celui-là. Après, je vous ai dit, hein, si ça vous intéresse, allez voir. Je ne vous donne pas les mesures, c'est pas possible. Avec tout ce que j'ai pris, ça aurait été, ma foi, un ou deux rouleaux. C'était pas gênant. Mais là, j'en ai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, si j'ai bien compté. Donc, ce n'est pas possible. Mais non, ce n'est pas possible, mes chers tendres abonnés. Je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Ça colle au doigt. Ah, pour se faire... du nail art, ça se peut, hein. Vous pouvez recouvrir ça sur vos ongles, si vous voulez. Hein. Voilà. Et le dernier. Ah oui, hein, vous soufflez. Hein. Ah oui, oui, je sais que vous soufflez, là. Vous allez dire, oh, enfin, Christelle, on va plus la voir. Oh, enfin, c'est mal, hein, bien sûr. Ben non, je sais que vous m'aimez bien. Regardez. C'est trop, trop joli. C'est magnifique. Vous voyez, pour faire un album shabby chic ou des timbres ou je ne sais quoi. Regardez, vous pouvez mettre ça même sur votre papier peint. Oh, oh, ça ferait joli. Oh là là. Oh, c'est joli. Oh, oh. Je suis amoureuse de cette boutique. Si, si, je vous le dis. Hein. Si, si, je vous le dis. Journal Say, c'est vraiment une boutique que j'aime beaucoup. Et c'est pas cher en fait, c'est vraiment pas cher, donc j'aime beaucoup, voilà, quand je vous donne des bons plans, franchement ça me fait plaisir, parce que ça vous permet de vous faire des petites commandes super sympas. Voilà donc pour la petite vidéo, bah écoutez, j'espère que ce petit haul, enfin ce gros haul, vous aura fait plaisir. Moi j'étais contente de vous présenter toutes ces petites merveilles, voilà, à vous d'aller faire un petit tour si vous le souhaitez, bien sûr, moi je ne force la main à personne. Comme j'ai toujours dit, moi je vous présente des produits. Si ça vous intéresse, bah vous pouvez aller faire un petit tour. Si cela ne vous intéresse pas, je ne force la main pardon, à personne. Je pense que vous êtes assez grande et assez grand pour savoir ce que vous voulez. Voilà, moi je ne fais que vous comment dire, vous présenter des produits. Si maintenant cela vous intéresse, bah, profitez-en. Vous avez la remise des moins 8%. Voilà, je vais tout ranger pour que je puisse bien me situer où se trouvent mes articles, parce qu'il ne faut pas que je les mélange pour que je puisse vous faire des tutos, parce que quand on range, après on ne sait plus, surtout que moi, bon, comme je vous l'avais déjà dit, hein, j'ai pas beaucoup de place, donc j'ai tendance à les mettre on va dire pas en bordel, mais voilà, j'ai tendance à les ranger et après bah, je ne retrouve plus. Ça m'est déjà arrivé comme ça. J'ai cherché un dail, plus moyen. Je vais établir le tuto, c'était un peu compliqué. Donc, et puis après, aller dire au magasin, bah, écoutez, je ne peux pas vous faire le tuto parce que j'ai perdu le produit. Bon, je pense que ça ne va pas passer. Hein. Voilà, bah, c'est normal. Hein. C'est normal. Voilà donc pour la petite vidéo du jour. Donc là, moi, je le range dans son compartiment. Voilà pour la petite vidéo de présentation. Alors, je vous mets comme d'habitude tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas, vraiment. C'est vraiment pas cher, mais ça vous est livré assez rapidement. Vous avez une petite taxe qui vous est demandée à la fin. Mais franchement, c'est comme Global Land.
Vous payez vraiment pas cher les produits. Vous avez peut-être une taxe de 5-6 euros. Moi, je sais que j'ai payé une taxe 6 euros. Oui, parce que comme j'ai pris des trucs en plus, bah, j'ai payé la taxe, mais c'est pas très grave. Franchement, ça m'a fait vraiment super, super plaisir de faire des commandes chez eux. Voilà, je me suis fait des petits plaisirs. Et puis, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Hein. Donc voilà, hein. Puis les tampons sont vraiment magnifiques. Je vous laisse là, je vous rends votre liberté, je vous fais plein de gros bisous et on se dit quoi? Bah on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Hein. Bah si, hein. Bah si quand même, bah si. Allez, bisous bisous.